Oui. Tu peux mettre la tête de Hulk qui a pas de ton téléphone? Non, j'ai pas. Notre équipe, comme vous la voyez, nous sommes ici pour une visite technique. Conforme à cette visite, nous pouvons penser que nous pouvons voir que ce rio est le rio de Chob, est largo. Mais comme vous pouvez l'observer, nesta situation, este rio fica cada vez mais curta. La rivière elle est large, mais vers le coin. Elle se réduit en fait. Yeah. Todo mundo sabe, então, para um rio, o flexo é fixo, mas se este fica cada vez mais curto, então significa que a velocidade da água é mais alta. Plus la largeur se réduit, plus le flux de l'eau augmente. Sim, por isso aqui a velocidade é alta, significa que ela pode produzir mais energia. Donc vers la chute, nous rendons compte que la vitesse de l'eau est haute. Et cela peut produire de l'énergie pour la chope. Nous sommes satisfaits de la localisation de la chute de Baveba pour construire le barrage de Baveba. Et notre spécialiste géotechnique a analysé les pierres au niveau de la chute et il est satisfait. Il ne peut pas dire que les meilleures pierres du monde, mais il est très satisfait avec la qualité des pierres. Pour Patrick Congo. En tout cas, mes frères de la Chopo, je ne peux que vous dire d'être légèrement patient. On était ici il y a 14 mois. Nous sommes revenus pour vous faire preuve que le projet, ce n'était pas du blablabla, mais c'est une réalité qui va se réaliser. Hein? Un projet qui va se réaliser dans un avenir très très proche. Le développement de la Chopo dépendra indirectement de ces barrages, si pas directement. Parce que ces barrages vont créer des milliers d'emplois,
ça va désengorger les communautés envoisinant de Kisangani. Il y aura développement de toutes ces communautés aussi. Il y aura aussi du commerce parallèle qui vont s'y implanter. Il y aura aussi le développement de la communauté par rapport aux constructions de routes, parce qu'il y aura une route qui devra quitter Kisangani pour nous ramener ici. Donc il y aura aussi création de dessertes agricoles pour pouvoir sortir tous les produits vivriers qui sont en abondance dans tous ces coins, mais auxquels le Congolais ne peut pas jouir. Pourquoi ? Parce que ces produits périssent dans tous ces villages avoisinants Kisangani. On a atteint la première équipe avec l'ancien ministre Eri Baraka et après lui, c'est pour la première fois que nous atteignons ce site. Un site aussi très important à qui nous mettons notre espoir, nous fondons notre espoir pour que la ville de Kisangani, la province de la Tchopo, à travers ce site, nous pourrions avoir un barrage, la nouvelle technologie et qui pourra faire face aux dessertes en électricité pour la ville de Kisangani et aussi pour la province de la Tchopo. Je suis très ravi parce que nous venons d'atteindre le site. Donc personne ne peut plus nous raconter quoi que ce soit. Nous connaissons le parcours, on peut venir directement, on atteint le site. Les amis chinois et la délégation qui est venue a vu le site de Baveba. Et je suis persuadé, je suis convaincu que nous avons atteint l'objectif et que c'est une question de jours pour que la route soit aménagée et enfin que les travaux commencent. Dans ce pays, il faut monsieur Ambalo parce que comme il y a une conjonction, on a chité Babiba. Parce que l'objectif, c'est qu'il y a comme on a. Souci, ma casse, c'est que tout le monde, il y a une conjonction, il y a courant. En tout cas, ce qui est salé, vraiment, dans ces pays, parce que les délégations nationales, provinciales et côtés à niveau, vraiment, c'est ce pays. Parce que comme on a eu le cas de groupement de Benzeke, secteur avec Kondolol, dans le territoire de Bafouassend. Merci, Mingi.